démarrer l'enregistrement, c'est parti. T'as toujours de l'avance. Ou manger tes cheveux. Manger mes cheveux. Non. Hop là, c'est parti. On fait 40 minutes sur Assassin's Creed sur PC. Pour une fois, je suis motivé à continuer. Un jeu qui m'a été offert par Etirac. Ça fait beaucoup de E qui sont pas forcément des plus agréables et des plus exceptionnels pour l'élocution. Mais voilà. Du coup, il fallait que je monte là-dessus. C'est tout petit. Par contre, la ville, elle semble bien détruite. Ça me rappelle un des quartiers de Paris dans Unity. Oh, dégage. Tu me vois, tu me vois plus. Par contre, je sais pas comment on fait pour les couteaux de lancer. Oh, le décollage. J'ai lancé le timer, c'est bon. J'ai le nez qui gratte. Et tombons dans la paille. Oui. Accompagne-moi. Faisons de la paille ensemble. Alors... Vous voyez, déjà, ce genre de décor, ça me parle beaucoup plus. Même si j'ai pas tout ce qu'il y a dans le fond, ce genre d'église, là, comme ça... Disons que je suis beaucoup plus fantasy que les Nuits d'Arabie, voilà. Oh, Nuits d'Arabie... Voilà, on va dire que je suis beaucoup plus... dans le style fantasy, quoique la fantasy pourrait comprendre ce genre d'environnement, en fait. C'est de la bêtise. Celt, aide-moi! Faut que je trouve un banc. J'en vois un là-bas. Visage mes familles. Va-t'en le moine. Va-t'en le moine, oui monsieur. Ah, il y avait un bon plus proche là-bas apparemment. Eh mais il y a des gens morts là. C'est dégueulasse. Aucun respect. Là je pense que je suis assez près. Pour Alain. L'archer qui garde l'aile est. Son frère, le pauvre diable, a reçu une flèche dans la gorge. Je doute qu'il passe la nuit. Il parvient quand même à rester à son poste. Il lui rend souvent visite, alors je le remplace quand je le peux. Pas en ce moment. Non, j'ai des choses à régler. Des affaires de famille. Alors espérons que le médecin n'apprenne pas sa désertion. Il n'en saura rien, à moins que tu ne lui dises. Ne t'en fais pas. Votre secret sera bien gardé. Bonne soirée, Mimala. Ouais, Tirac, on va dire ça. Bien présenté. Voilà, merci Celt aussi, c'est exactement ça. Oh, nuit d'Arabie, mille et une folies. Dans le noir, c'est l'instant, en vous envolant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies. Je me souviens plus du début de la chanson. C'est quoi le début de la chanson ? J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Oui, j'ai des érudits avec moi maintenant. Bon, il reste un autre truc ici apparemment. Mais comment on fait pour y accéder à celui-là ? Oh, un drapeau. Ah si, je peux y aller. Ah non, c'est à l'extérieur. Je vais te tirer, oh punaise. Je vais libérer ton âme.
Moi aussi. Elle me dit pas merci, c'est tout mon plaisir. C'est pour mon plaisir. Allez. Suivant. 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 Il va y en avoir combien là? Je vais faire des piles de cadavres. Suivant. Je suis l'épée du Seigneur. Aïe. Les flammes de l'enfer vont purifier ton âme. Je vais faire des paquets de pigeons. Voilà, un de moins. Non, c'est faux, je ne suis pas la personne qui les a tués. Je suis innocent. Tiens, ça t'apprendra à dire des bêtises. Non mais tu pourrais pas t'empiler sur les autres, s'il te plaît. Voilà. Ah non, ils passent les uns à travers les autres. À chaque fois, je rate ce coup-là. C'est bon, ça y est. C'est dommage que je puisse pas lever la tête pour un selfie. Voilà. C'est le moment de prendre un screenshot. De quoi? Merci, Tirac. Je peux en entasser de nouveau. Pour le plaisir. Attends, ça commence comment? Au détour des ruelles, Sésame, ouvre-toi, nous voilà au nu. Enfin, ah, moi je viens d'un pays de désert infini où les caravanes rêvent les flammes. Où pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables. Oh, c'est l'instant envoûtant, volant tapis volant. Dans la magie des nuits de rien. Je sais plus ce que c'est après. Oh, nuit d'Arabie. Il est où le mec là? Il s'est tiré, d'accord. Bon, va falloir que je m'éloigne, que je me rapproche. Mais je suis pas du tout un meurtrier, qu'est-ce qu'il raconte? On va pas revenir trop loin parce que sinon j'ai peur que. Ouais, les gardes sont déjà de retour, c'est bon. Oh bonjour, bonjour! Cadeau! Je vous tuerai tous tant que vous êtes. Attaquez-moi. Je crois que l'autre a envie de vomir. Je vais le rater. Et voilà, bonne nuit. Ah. Merci pour cet accompagnement, Elnor. On me dit pas qu'il est reparti. Ah, j'ai eu peur. Merci, mon garçon. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. La pose de la voyelle. C'est pas grave. Allez hop, on va rentrer dans le cadre. Mes frères, mes sœurs, que la poussière retourne à la poussière et que les cendres retournent aux cendres. Ces paroles viennent d'un CD qui s'appelle La Préhistoire du Jazz. Enfin, peut-être qu'après ça vient aussi de la Bible, j'en sais rien, je l'ai pas lu en entier. Ou si. Quand je faisais du catéchisme, j'ai lu la Bible. Mais ça remonte à tellement loin.
YMCA. Ouais, non, mais je sais que mais c'était juste histoire de faire la quête. Je suis pointilleux. Et non, pas pointillé. Ah, bah là, y'a plus personne devant la porte, c'est bon. Pardon, messieurs, je vous quitte ici. Il me faut un nouveau point d'observation. On peut faire plouf plouf. Celui-ci, parce qu'il est à côté des remparts. Vous devrez éviter d'attirer la colère de Dieu, c'est ça? Je mange, Trumpf! Je suis Dieu. Non, c'est pas ça. Oh, tant pis. Que fait cet imbécile? Non, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire, mais c'est pas grave. Dans ton sommeil... Ah, des gens! Non! Moi, j'ai faim. Enfin, non, c'est faux, parce que j'ai bien mangé, quand même, là. De quoi? Et rouge en imaginant plein de choses différentes après les déclarations d'Elena. J'ai rien compris. Combat de regard. Mes instants le sont moins. Voilà. Là. Ah bah bien sûr, j'ai balancé un couteau, ça servait à rien. Oui, je les quitte tout de suite, monsieur, toi aussi. Attention, tu vas tomber, tu vas tomber. Non, ça va, il reste là, il est sympa avec nous. Ah, j'aime ces bonnes vieilles pierres. Ces vieux clochers. Regard magique pour Lucas, c'est mignon. Là, j'aime bien, là. Non, ça j'aime pas. Mais j'aime bien. Mais j'aime pas. Il y a un autre clocher au loin. Alors qu'avons-nous au sol? Nous avons une mission juste derrière ici. Donc on va y la faire. Attention, chute libre. Splatch. Qu'est-ce qu'il fabrique? Rien de spécial, je sors d'un tas de foin. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Ah non, je crois que c'est... Il en a après moi. Il m'a vu. Il me tuera, moi, ma femme et mes enfants. C'est terrible. Tu es venu abréger mes souffrances? Non. Al-Mualim est capable de compassion, finalement. Tu veux bien m'aider? Un chevalier de l'hôpital me recherche. Si tu l'élimines, tu rendras un grand service à un pauvre frère. Je suis arrivé ici quand les croisés ont assiégé Acre. J'ai sûrement des informations qui pourraient t'intéresser. Un regard de braise. Et ce Illuminati, joli que vois. Tu sors un tas de fois. Non, c'est pas tendancieux. Il faut que je tue quelqu'un, du coup, si j'ai bien compris, qui est par là-bas. Bon, on va aller le voir. On va faire ça bien comme il faut. Pardon, je ne fais que passer. Ouh, mais attendez. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin de là. Tu vas te calmer, oui. C'est lui qui m'a attaqué, moi j'y suis pour rien. Merci la caméra, merci la caméra. Et voilà, il n'y a plus personne pour nous, pour témoigner. On va bien. Secret of Evermore. Mais du coup, il est passé où le Gugus? C'était lui que je devais éliminer? Non. C'est une blague? Ou j'ai été repéré et du coup ça va pas? Thank you.
sans être repéré. C'est pour ça. Donc ce sera sans être repéré. Je vais avancer vers ma cible. Mais du coup, je l'avais raté, effectivement, puisque l'autre Gugus, il m'avait repéré. D'accord. Non, j'avais compris que c'était un Templier. Mais merci pour la précision. Vous m'excuserez, je monterai par ici. Voilà. Il s'est rien passé. Ils n'ont rien vu, tout va bien. Non, tu n'auras pas de pièce parce que je ne peux tout simplement pas t'en donner, je crois. Il est mort ? Tu as gagné ma gratitude éternelle. Je vais te dire ce que je sais sur Garnier de Naplouse, grand maître des hospitaliers. Il laisse ses patients déambuler dans les salles de sa forteresse. Mais personne, mis à part quelques érudits, n'est autorisé à pénétrer dans son espace de travail. Des archers postés sur les toits gardent l'accès. Je suis sûr que grâce à ces informations, tu expédieras Garnier en enfer. En effet, Kyo. Pas grave. Tous ces trucs se ressemblent dans ce jeu, donc forcément ça aide pas. Alors, maintenant on va aller combattre les Gugus en plus loin. Les... Visage m'est familier. Mais non, c'est dans ta tête. Comme tout le reste. Ce n'est que ton imagination. Et comme t'as tué toute la population, on peut pas appeler ça un génocide vu que personne ne peut témoigner. Ah, ils sont en dessous. Pour qui te prends-tu ? Aïe. J'espère qu'il a... Non, elle a pas fui, ça va, c'est bon. Suivant. Suivant. Voilà. La chance me sourit aujourd'hui. Dieu seul sait ce que ces hommes auraient pu faire. Vous êtes arrivés au bon moment, étranger. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Ensuite, par là. Non, ne partez pas. Vous dites qu'il se moque de votre souffrance. Ce n'est ni juste ni vrai. Pardon. C'est un homme de grand talent, au service de tous, mais... Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme, mais oui. Le ratio de quel personnage? Celui que l'on incarne? J'ai compris gardien de la pelouse. Il y a de la pelouse dans ce monde? Ah là, je peux monter. C'est quelques secondes que je tourne autour sans voir où est-ce que je peux aller, mais en fait, si, je peux grimper par là. Ouh, il y a un sacré bâtisse. Ouh, faut monter tout là-haut, là-bas, sur la croix. Ça serait rigolo, ça. Là-bas, il y a une autre forteresse. Ah, d'accord. Ça va que je meurs pas trop, effectivement. Alors par contre, si je saute ici... Ah, c'est bon, il est super lent. Et franchement, je pense que je saute du haut d'un truc comme ça, je ne risque pas de tomber dans le foin qui est en face. Hein. Il a une de ses allonges au niveau de la jambe. Enfin, allonge, c'est peut-être pas le bon terme. Il peut sauter super loin. Et on peut voir quand même que faire certaines missions, apparemment, nous donne quelques avantages. Nul n'est aussi expert que le bon
hospitalier. Garnier de Naplouse n'a pas d'égal. C'est Naplouse. Mes amis, bientôt, ce bon médecin répondra à vos besoins. Soyez patients. Gardez l'espoir. Vous êtes nombreux à avoir besoin d'aide. Et il est seul. Il travaille sans relâche pour soulager son prochain. Laissez-lui du temps. Ouais. Je ne suis pas un harceleur. N'empêche, c'est vrai que je la trouve classe cette vue. S'il savait que ça allait être aussi intéressant, enfin que ça allait durer aussi longtemps. Je peux la frapper. Je sais pas, je vais peut-être dû l'attaquer dans la ruelle. Parce que j'ai peur qu'ils soient en train de retourner à l'église là. Trop de monde par là, c'est embêtant. Je suis coincé dans un poteau. Bon, est-ce que je peux l'avoir ou pas là? Pitié, pitié, ne me tuez pas. Je ferai ce que vous voudrez. Tu sers Garnier? Il m'oblige à tenir ce discours pour que les habitants ne se révoltent pas, pour qu'ils gardent espoir et voient en lui leur sauveur. Dis-moi tout ce que tu sais sur cet homme. Oh oui, bien sûr. Je sais ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il fait vraiment. Continue. En arrivant, ils sont en bonne santé. Ce n'est qu'une fois passé entre ses mains. Détente, merci. Qu'ils se mettent à souffrir. En fait, cet homme ne guérit rien. Il est juste malade et cruel. J'ignore ce qu'il leur fait pour qu'ils hurlent aussi fort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre un terme à toutes ces souffrances. Vas-tu l'arrêter? C'est pour cela que tu vis toujours. Il use de prudence. Tu devras bien choisir ton moment. Tu pourras l'approcher lorsqu'il s'occupe de ses patients. Il est tellement pris qu'il en oublie le reste. Oui, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Je te remercie pour ces informations. Tu vas me laisser partir? Si je le pouvais. Oh mais non! Je trouve pas ça cool de tuer des gens comme ça, moi. Arrêtez de me harceler. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va aller voir là-haut. Les brigands aiment les informateurs que tu frappes. Comment ça? On pouvait faire autrement que le frapper pour le faire parler? Comment faire un embouteillage? J'ai envie de chocolat. C'est quand même terrible le chocolat, comment ça peut donner envie. Ce soir, je me suis fait des patates à manger, c'était l'information inutile de la journée. N'a rien à faire ici. Quel fiche le corps. Arrêtez, je vous en prie. Hey. Vous me faites mal. Visage mes familles. Oh, mais un autre. Je pourrais te tuer, même les yeux fermés. Tu aurais dû y réfléchir à deux fois. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas du tout de taille. Mais mon épée, si. Je serai bientôt libre. C'est bon, je le suis. Je ne sais pas ce que vous voulez. J'ai vu le mal dans vos yeux. Je suis désolée de ne rien pouvoir vous offrir en échange de votre sacrifice. D'accord, merci Kyo. Que mes frères vous considéreront dorénavant comme un ami. Et voilà. Comment ça, un assassin? Mais comment tu peux savoir que c'est moi qui les attaquais? Ah, merci les collègues.
Merci beaucoup, collègue. Ça fait du bien d'avoir des alliés sur qui on peut compter. Punaise, il en reste tellement des trucs à faire. Sérieusement, je trouve que c'est un gros défaut qu'ils ont les jeux Ubisoft, c'est qu'il y a vraiment trop de trucs à faire, dans le sens où là, il y a trop de tours de machin, il y a trop de petites quêtes secondaires chiantes. Je suis désolé pour le mot qui est pas très agréable à entendre, mais je crois que ça reste le plus approprié pour exprimer ce que cela entraîne comme ressenti, du moins de mon point de vue. Hein. Après, mais non, je n'ai pas perdu la tête, je ne fais que grimper. À quoi d'ailleurs? Une tour. Et une époque, t'avais platiné le jeu, mais t'as plus le courage. Tu m'étonnes. Il n'a pas le droit d'être ici. Va-t'en. C'était joli, ça, quand même. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, non, mais c'est ça. Faire la course au drapeau... Attention, je descends. Mais du coup, ça va être cool, on va pouvoir voir l'évolution graphique aussi des titres d'Assassin's Creed. Dans le sens où... au fur et à mesure qu'on va avancer... On va quand même avoir le plaisir de découvrir les différents épisodes, donc après il y aura le 2. Je sais pas trop en quel ordre ils sont sortis, il faudrait que vous... Qu'on se fasse une liste de tous les Assassin's Creed disponibles. Je sais aussi que grâce à la Bumblebundle, j'ai les Assassin's Creed China, Russia, etc. Je n'aime pas être dérangé. Bah moi non plus, si tu veux savoir. Que fait cet imbécile ? Bah il essaye de passer puisque tu ne veux pas que je passe par les ruelles. Ah oui, non, mais quand tu prends... Bon, en fait, quand il y a quelque chose, quand ça te rapporte quelque chose à la fin... Peut-être que je vise avant d'essayer de lancer un couteau. Attention, attention, quelqu'un arrive derrière toi. Trop tard. Oh punaise, recule, recule, recule. Ah. Il voulait juste apprécier la vue. Ça, j'aime bien comme décor. Oui, après, c'est Assassin's Creed 2, mais... Et la suite. Oui, c'est ce qu'il y a de plus logique. Bon, en fait, comme je dis, ce qui me dérange, moi, dans cette histoire, en général, dans la plupart des jeux Ubisoft, ceux que j'ai fait, c'est qu'une fois que t'as récupéré, bah, tu gagnes, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, un succès, dans le pire, rien du tout. Enfin, il y a toujours un succès, maintenant, à débloquer, mais, par exemple, rappelez-vous, Far Cry 4, j'avais été extrêmement déçu, parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de ramasser des masques, les masques du book, pour ceux qui s'en souviennent, et le problème, c'est que, il laisse toujours des messages sur place, le book. Et à la fin, on gagne un message qui nous donne une zone à visiter. Mais on croise pas le book, il n'y a pas d'éléments particuliers. Ou alors, franchement, c'est que je l'ai raté dans le jeu, si jamais il y avait quelque chose à voir. Et ça me paraît très bizarre que je sois passé à côté. Mais du coup, moi, ça m'avait vraiment frustré de voir que il n'y avait pas de finale à cette histoire. Autant pour certains collectibles, c'est pas dérangeant. Enfin, si, c'est dérangeant. Moi, je trouve ça dérangeant, mais quand je dis que c'est pas dérangeant... J'entends par là que on n'a pas d'histoire qui est mise en place, donc on n'attend rien en fait de ces collectibles quelque part. Mais là c'est pas pareil dans le sens où justement dans Far Cry 4, quand on avait fait ce passage là, il y avait des une histoire avec le book. Et au final, ben... Oh mince, c'est qui m'a vu? Il est en dessous, le mec. En dessous où, je ne sais pas trop. On va faire comme ça. Pardon.
Oui, non, mais ce que je veux dire, quand je te parle, par exemple là, quand t'as récupéré tous les drapeaux, ça t'apporte quoi? Mince, je suis pas allé au bon endroit encore une fois. Il va finir par se blesser, et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Je ne les ramasse plus. Ça me rappelle que je les avais pas filmés dans GTA V, ces éléments-là. Bon, je vais essayer de rentrer par là, on verra bien. Le visage m'est familier. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je vais aller m'occuper de ceux qui sont là-bas. Fiche le camp. Essaie donc. Non, je l'ai tapé. Non, ça va, elle a pas fui. Elle a considéré que c'était une erreur de ma part. Merci, madame. Je vous en remercie énormément. De m'avoir laissé le bénéfice du doute. Elle est là. Je suppose que je dois vous remercier, même si j'aurais pu en venir à vous toute seule. Mais vous m'avez été d'une aide précieuse. J'ai une dette envers vous. Tu sais pas. Celle, si ça se trouve, c'est réapparu dans Syndicate, puisque tu ne l'as pas fait. Mais j'y pense, du coup, ça veut dire qu'on va se faire Syndicate ensemble, entre guillemets. Si je puis me permettre. Je n'aime pas. On n'a rien à faire ici. Attention, fiche le camp. C'est bon, maintenant vous allez m'attaquer. Je vais pouvoir rentrer tranquille maintenant. Au revoir. Donc là, le sieur n'avait point de pièce, juste un tube. Tout ce que j'ai trouvé dedans, c'est un morceau de papier avec des choses dessinées dessus. Espèce d'idiot, ce sont des mots et des lettres. Pourquoi cet homme-là a mis des mots et des lettres dans un tube? C'est du gâchis, je te dis. C'est peut-être important. Donne-moi ça, que j'y jette un œil. Oh, ça sûrement pas. Tu me le chipperas pas comme l'autre fois. Faut pas s'énerver. Amuse-toi tout seul, alors. Voilà, c'était limite quand même, hein, pour réussir à passer, surtout que je suis surveillé apparemment. Ouh, la concentration les amis, la concentration. Non mais je vais pas t'obliger à y jouer, mais ça veut dire que moi si je vais me taper tout le jeu, tu le regarderas, c'est ça? Enfin si t'as envie de regarder, bien sûr. Il y a des glyphes dans les, avec les énigmes de Nostradamus, mais je trouve que ça a perdu de son charme. Je sais pas, comme je vous dis, je n'ai fait qu'une partie du 4, on va dire que j'ai fait à peu près de la moitié du 4 pour être précis. Ça fait apparaître d'autres trucs, on va aller faire celui-là. Oh, va falloir que je repasse par là. Bon, je vais encore faire une pile de cadavres. Qui même meurt ? Vous n'allez pas pouvoir me suivre très longtemps. Je crois qu'elle a fui. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je recommence tout. C'est triste, Schtroumpf. Je suis déception.
Ouais, c'est ce qu'ils disent tous, et puis finalement, il n'y a pas tant que ça qui y arrive. Hein. Oh, c'est violent quand même. Oui, bah attaque-moi. Ouais, je l'ai raté. Toi, t'auras au moins réussi à faire couler un petit peu le sang, mais un petit peu. Bon, bah, bien sûr, la personne concernée a disparu. Bon, il va falloir que je me tape un aller-retour encore alors. Bah, je vais essayer de grimper sur ce truc là, dans ce cas là. Les tombeaux des assassins ont disparu. J'en avais entendu parler ça. Ben, s'il est tombé. J'ai plus de couteau. Non. Premier The Witcher, d'accord. Non, mais comme je disais... Je sais plus ce que je disais. Trilogie. On va voir déjà, ils ont eu la bonne idée d'annuler quand même le précédent Assassin's Creed entre guillemets, ou d'essayer de pas en sortir cette année, ou l'année dernière en tout cas, pour bosser un peu plus dessus. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose ça. Et j'ai juste envie de dire, pourvu que ça recommence ou que ça dure, à vous de voir. Bon allez, tous ensemble, mère. Suivant. Et une fois que j'ai repris le rythme, ça va quand même mieux hein, pour parer. Voilà, c'est plus efficace, c'est plus rapide. C'est juste qu'avant j'étais une quiche. C'est faux! C'est toi qui m'as attaqué, retiens-le! Non, c'est pas la bonne touche. Les Chronicles. Ouais, bah ça y est, je les ai, du coup j'ai India, Russia, et il y en a un troisième, c'est quoi? Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça l'Assassin's Creed Celt? C'est Kimaru qui l'a pris la patate. China, ouais merci. J'avais oublié le nom. Notez-le, cet homme m'a poussé. Par contre, j'ai peur que le personnage soit encore parti là-bas. C'est un peu frustrant, à force. Pour moi, c'est des produits dérivés. Y a pas de soucis, Aria. Ah, il m'a bloqué lui. Voilà. Suivant. Elle est encore là, dame, j'ai l'impression. Ou le monsieur, je sais pas. Et on est arrivé au bout des 40 minutes.
Et le mec, il est tout seul et il me fait coucou. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Bonne nuit, Ringabel. Donc du coup, normalement, ça vient de sauvegarder. Notre prochain point où l'on va se déplacer, c'est celui-ci. Mais j'ai fait une petite pause avant. Enfin, je sais pas, ça va dépendre. Attendez.